Bonjour. Non, vous n'aurez pas de rappel. Vous avez vu, j'ai un plaid. Vous n'aurez pas de rappel pour compenser. Mais quoique. Non, en plus, il n'y aura pas trop de rappel. Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas max d'infos dans le Scroll News de ce soir. On va peut-être avoir ce qui n'arrive jamais, un Scroll News qui finit plus tôt. Parce que on voit que les jours se raccourcissent. Les gens, ils ont moins le temps de faire des bêtises. Oui, ils ont un plaid. Parce que c'est le Let's Plaid, ça y est. Il fait 19,4 chez moi. Donc, c'est l'heure de ressortir les plaids. Merci Luzi, ah oui je vais faire tous les petits remerciements pour commencer. Et en plus derrière il y a Agbou, ok il fait quoi Agbou, j'ai même pas regardé le programme tiens. Il a rajouté quoi? Il y a Agbou à 21h, ok bah c'est bien comme ça vous aurez une bonne soirée, bien occupé. Qui est-ce qu'on a? Non c'est bon, on n'avait qu'une personne à remercier, bah écoutez c'est très bien. C'est Skyline, bah évidemment c'est Skyline, c'est la saison du plaid peau de mouton, non j'ai pas le pot de mouton, là le pot de mouton il est dans l'autre pièce. Ça c'est un plaid de... C'est le plaid un peu rouge, et c'est bien, en fait, c'est très réfléchi. Il est assorti à la tour qu'on va faire dans Eye of a Beholder aujourd'hui. Donc vous voyez, tout a été mûrement réfléchi. Est-ce que je suis nu sur mon plaid? Même pas, regardez, regarde, il y a même deux couches de vêtements. C'est absurde, j'ai deux couches de vêtements qui ne vont pas du tout ensemble d'ailleurs. J'ai un hoodie sur un truc avec des boutons, ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça aussi les Let's Plaid, c'est le côté cosy. C'est, on se reçoit chez nous, on est là, on est un peu engoncé, on mange des madeleines en buvant du thé. Il y a un côté sympathique. C'est... Ben oui, mais bon, je suis bien avec mon plaid, mais bien sûr. Ah, mais j'assume complètement... mais ça, c'est le retreating. Sachant qu'on n'aura pas de retraite, il faut vivre notre retraite maintenant. Et alors, passer des heures... En hiver, en été, il faut sortir, faire des trucs, parce qu'on est jeune quand même. Mais en hiver, être enroulé dans un plaid et boire du thé, rester chez soi, devant une vidéo de feu de cheminée, c'est l'expérience de la retraite. Ce qu'on aura de plus proche de l'expérience de la retraite. Donc il faut le vivre maintenant parce qu'on ne le vivra pas plus tard. Il y a un côté troisième âge aussi. C'est vrai, mais c'est bien. Il faut vivre tous les âges à la fois. Ça, je l'ai toujours pensé. Il n'y a pas de premier âge, de deuxième âge, de troisième âge. Il n'y a qu'un seul grand âge. Et c'est l'âge... D'ailleurs, regardez, on voit un jeu de 1993. Il y a un grain dégueulasse avec cette caméra. Par contre, on a l'impression que j'ai le visage constellé de merde. Et attendez, bougez pas. En fait, dès que ça manque un peu de lumière et... Les jours sont plus courts maintenant, donc la lumière tombe tôt. Et bien cette caméra, pourtant c'est une bonne caméra, hein. Elle fait un teint dégueu. C'est un peu mieux, mais c'est encore pas ça. Ouais, Axel, c'est le deuxième âge, exactement. Bah non, surtout que, alors, ça c'est une de mes chances. C'est que même quand j'étais ado, j'ai jamais eu d'acné. C'est parce que j'ai la peau sèche, et du coup c'est très pratique, on n'a jamais d'acné. Ça c'est un énorme avantage. Du coup mon pseudo n'est absolument pas justifié. Bon, écoutez, on va lancer le chat sur... Mais ça, c'est mon rêve d'avoir un chat. C'est vraiment mon rêve d'avoir un chat. Le problème, c'est que si j'avais un chat, je ne ferais plus rien d'autre qu'avoir un chat. Ce serait ma seule identité, ma seule occupation, j'aurais un chat, quoi. Donc, ce serait peut-être un peu dangereux pour moi. Alors, on va capturer le moniteur. Parce que tant qu'à faire, on est là pour regarder un moniteur. Et le jeu. Alors, bougez pas, regardez-moi cette belle écran d'os, là. Comme à l'ancienne. Merci, Papy Poulet. Donc, allez, Eye of a Beholder 2... Ça va commencer par un gros dong qui va me vriller les oreilles, je pense. C'est ce que je disais. Ah, mais j'ai pas mis la capture du son. Bougez pas, c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas mis le son du jeu. C'est quand même pas gentil du tout. Et d'ailleurs, il est un peu trop fort pour moi, je vais le baisser. Parce que, comme je vous dis, on est un peu à la retraite, là. Et alors, je peux pas écouter des sons trop forts. Après, ça m'empêche de dormir. Voilà. Donc vous voyez le jeu. Alors, l'image va venir. L'image vient. Vous voyez, la tour est rouge. C'est la dernière tour du tombe de Dark Moon. Et assortie donc au plaid. Chaque plaid est assorti à la... L'écran de début rappelle celui des Lemmings. Dans Eye of a Beholder. Ça, là. Un chaton moribond dans la rue, depuis tu n'as plus de vie sociale, la rigueur. Bah oui, mais tu m'étonnes. Après, qu'est-ce que... Enfin, en plus, un petit chaton moribond comme ça qu'on nourrit avec une pipette. C'est pas des amis qui vont remplacer ça. Hein. On ne peut pas nourrir ses amis avec une pipette. Enfin, on peut, mais ils viennent plus chez vous après. Alors, cette tour, faut savoir qu'elle est très bien. Parce que contrairement, elle a deux intérêts, elle a deux avantages par rapport aux tours précédentes qu'on s'est fanées les dernières fois. C'est que, un, elle est courte. Deux, elle est variée. Donc... Chaque étage a un truc vraiment original, donc ça évite de se taper des heures à chercher des boucliers à la con pour activer des méduses ou je ne sais quoi. Truc bien bien pénible qu'on a vu la dernière fois là.
Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un téléporteur qui bloque l'endroit où on doit aller. Donc il faut passer là, mais ça fait apparaître des magiciens méchants. C'est le nom de la bestiaire monstrueuse, hein, c'est magicien méchant. Autoexecbat censuré. DOSBox, il est. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi, mais DOSBox, il n'y a pas à régler EMS, XMS et toutes ces merdes là. Il fait tout automatiquement. Hein. Alors, regardez, des magiciens méchants. Et ils sont chiants parce que ils sont quand même d'assez haut niveau. Donc voilà, ils balancent des boules de feu dans la gueule. Voilà, la prêtresse qui prend 54 points de dégâts, évidemment. Tout ça parce qu'elle est chum. C'est pas gentil. Hein. Voilà, là, regardez, un papier collant. Alors, ce papier collant, il sert à un truc, mais je ne sais plus à quoi. Mais on va trouver. Ils ont des points de vie pour des magiciens. Attends, lui, on va essayer de le. Ouf, c'est bon, on l'a évité. Voilà. Alors là, il y a un. Comment on fait pour désactiver ce téléporteur déjà? Voilà autre chose. Les décors s'en foutent, t'as vu? Ben alors, je sais que c'est ironique, un peu gouv.fr, car les impôts sont toujours ironiques. Mais vraiment, par rapport aux tours précédentes, lui, les décors de celle-là sont fous. Hein. 30 heures de sommeil. Oui, ils dorment. 30 heures, t'es gentil, hein. Ils dorment tout le temps. C'est con qu'il n'y ait pas un décompte complet parce que vous verriez mais le nombre d'heures qu'on a dormi depuis le début de la partie. Mais c'est désastreux. Bon, attendez, je ne sais même pas s'il faut aller par là en fait. Parce que là, si je prends ce téléporteur, j'arrive où? J'arrive de l'autre côté. Donc là, je vais me retaper les magiciens. Ah là, le téléporteur a disparu. Bien. Bon, on va tuer les magiciens comme ça fera de l'XP. Il est où? Il est là. Merde, je pense que c'est le bon sort. Alors, donc là, regardez, il faut activer un objet là pour. Donc, il faudra mettre ces espèces de gros anneaux, si vous vous souvenez. Ces anneaux donc qui me triggerent parce que. Je vais vous montrer le problème. Normalement, les anneaux dans ce jeu, ils ont des sprites plus petites. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont bien adaptés à cette case-là de l'inventaire. Où on met les qui correspondent aux doigts, parce qu'ils n'ont que deux doigts, hein, c'est des sortes de crabes. Et donc il n'y a pas de problème. Mais ces anneaux-là, c'est incroyable qu'ils n'y aient pas pensé quand même, ils sont trop gros. Donc quand vous les mettez, pouf, ça déborde, et quand vous l'enlevez, il n'efface pas le bord, et c'est dégoûtant. Et ça, c'est un bug qui me trigger dans ce jeu depuis des années. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pensé à ça, ils ne se sont pas dit, ah, l'icône est trop grosse, ça va déborder du slot, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il n'y a plus de soins à apporter au travail. Alors on va quand même aller dans l'autre côté de la tour, pour être sûr de rien rater, parce que, de mémoire, une fois qu'on est on a monté cette tour, on ne peut plus en ressortir après. Et là, si j'ai oublié un objet, on va repartir en dans un monde de douleur, comme disent les jeunes. Ouais, Agbou stream à 21h, mais je lui rendrai l'antenne à temps, parce que le scroll news risque d'être assez court. Il n'y a pas masse d'infos ce soir. C'est, je dis, c'est les. Est-ce qu'il y a un truc ici? Attendez, si on met un truc là-dedans, ça fait quoi? On va mettre un caillou. Ah, ça le transforme en glace, enfin en truc qui fait des boules de feu là. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais m'assurer d'avoir assez d'anneaux. C'est quoi ça? Ça bouge les murs. Ok. Ça sert à quoi? Pourquoi cette tour à la con? On va peut-être en générer quelques-uns parce que j'ai un vague souvenir qu'il fallait ces trucs-là plus tard. Qu'est-ce qu'on a qui sert à rien, qui est petit, ça c'est trop gros. Ouais, ça rentre pas dans l'alcôve. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? On n'a rien de sacrifiable et de petit. Si, un parchemin de fireball, on s'en fout. De mémoire, il en faillit un certain nombre plus tard, mais je ne sais plus pourquoi. Oui, les deux infos de la semaine dernière sont prévues dans le conducteur. Ne t'en fais pas. C'est quoi ce parchemin-là? Oh, mais c'est vieux, ça, tiens, hop. Bon, là, on en aura assez. Ok. Bon, on va dire que c'est bon. Je ne sais plus à quoi ils servent, ces machins, ça m'emmerde. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Et ça bouge des trucs, mais je ne sais pas quoi. Bon bref, repartons.
Donc, on va pas continuer. Le téléporteur s'est barré. On va pouvoir, hop là, mettre les anneaux. Alors, on va sauvegarder avant, quand même, sûr que ce n'est pas une connerie. Normalement, on met le premier anneau et regardez ça, regardez ces effets spéciaux. Ça, c'est quand même de la grande classe. Mais évidemment, oui, Macadam, c'est tout est pensé. Hein. Et là, si vous rentrez pas, le truc se referme, je vais vous montrer, vous allez voir. Écoutez la musique. Et là, vous ne savez pas où vous venez de flinguer votre partie, parce que vous n'avez plus assez d'anneaux pour continuer, parce qu'il en faut un de l'autre côté. Donc, vous venez de bousiller votre partie, si vous sauvegardez maintenant, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Parce que c'est comme ça, les jeux à l'époque, ils ne nous prenaient pas pour des enfants. Allez, on rentre. Donc on arrive de l'autre côté. Et là, ah ben non. Ah oui, là, il y a des anneaux, on ne peut pas les attraper. On ne peut pas attraper ces anneaux. Alors, comment on va faire pour les attraper? Parce qu'ils se déplacent en même temps que moi. Regardez, ils reculent quand j'avance. Eh ben, on va prendre le sticky paper, qui colle. On va le mettre là. Et regardez, hop, comme ça, les anneaux, ils restent collés. Ça, c'est quand même des énigmes de très haut niveau. Allez, on y va. Alors, de l'autre côté, on a quoi? One ring to bind them all. Oh là là, la petite référence à Orwell. Papier millimétré, exactement. Ah oui. Alors ça, je sais pas pourquoi. Quand tu ramasses cette pièce qui s'appelle mappage, donc, tu as cette petite image où on voit la pièce avec marqué mappage, comme si c'était super important, et c'est le seul objet dans le jeu qui a ça. Je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Et là, de mémoire, c'est des illusions. Attends, on va préparer un petit sort de... De toute façon, il faut toujours avoir un sort de vision véritable dans la vie. Moi-même, je ne sors jamais sans un sort de vision véritable. C'est un oubli des développeurs, je pense, Jackknife. Mais il faut dire qu'à l'époque, on se posait beaucoup moins la question de cette chose-là. Aujourd'hui, ce serait vraiment bu comme un énorme problème. Le QA ferait un gros rapport disant « Non, non, ça va pas, vous avez raté un truc. » À l'époque, on était là-bas, ils sont coincés, c'est con, mais ils avaient qu'à faire gaffe. C'était beaucoup plus libéral comme approche du game design. Et hop, c'était un passage secret. Donc, allez, ça, c'est une super armure, je crois. Hein. Regardez comme elle est élégante. On est combien? Moins 3, et là, on est à moins 4. Bah tiens, hop, c'est classe d'armure. C'est quand même vraiment, vraiment pas naturel, ces classes d'armure qui sont... Enfin, qu'il faut rendre les plus basses possibles, en fait. Les classes les plus basses sont les plus puissantes. 3, là, on est à 4. Non, celui-là est mieux. Et encore... Et celui-là s'appelle The Shall Rejoice, cette pièce-là. Là. Mais elle, elle n'a pas de petite animation, et je ne saurais jamais pourquoi. Ça... On a quand même un peu l'impression que cette tour, elle a été faite à l'arrache. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus courte que les autres, qu'il y a des trucs bizarres comme ça. Je pense qu'ils ont... C'est comme c'est la dernière. Elle était celle qu'ils ont développée à la fin du cycle de développement. Et donc, il y a plein de trucs qui sont pas tout à fait... pas l'air bien finis, quoi. Ah oui, ici, les murs bougent. Ah, il y a un mur de force. Oh, est-ce que j'ai désintégré comme sort? Oui, je l'ai. Ah, mais je peux pas lancer de sort de niveau 6, putain. Ça va être un problème. Alors là, on peut monter, mais il faut mieux pas monter tout de suite, parce qu'il y a plein de trucs dans qui sont vachement cool dans ce niveau. Le problème, c'est que c'est très dur de s'y déplacer, parce que, comme vous le voyez... Les murs bougent sans arrêt. Et c'est impossible de naviguer dans ce machin. Et normalement, quand on a le sort désintégré... Attends, on a peut-être une baguette de désintégration. Ouais. Ah non, ça c'est un dispel magique. Alors ça du coup, c'est quoi? Ça c'est éclair. Ok. Ah, peut-être que le dispel magique, ça marche sur les murs de force. Je crois pas, mais on peut essayer. On ne va pas les casser. Il faut un sort de désintégration, mais je n'en ai pas. Ah, attendez. Regardez, voilà, oui. Cette phrase est incroyable. Vous arrivez, vous tombez sur ce qui ressemble à un géant miniature. Et, ou un géant rétréci. Et c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un... Je pourrais dire ça dès que je croise quelqu'un dans la rue, quoi. Merci, c'est le Gut. C'est absurde, un géant rétréci, c'est quand même extrêmement troublant comme description, quoi. Parce que là, bon, il y a un dessin, mais imaginez, vous trouvez ça dans un bouquin. Et là, il voit un géant rétréci. Donc, en effet, ça a l'air d'être un géant des... Vous savez, vous vous rappelez des géants du froid qui nous ont tellement fait chier la semaine dernière? Eh ben, c'est ça, en fait. Donc, il me donne un indice, je crois.
Sidran vous voit arriver, donc dans c'est le grand méchant, trop tard, il a été transformé en pierre. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça à découvrir dans, cette, dans ce niveau, mais il faut réussir pour ça à naviguer dedans, et c'est que c'est pas facile, parce que donc justement, on ne voit rien et on ne peut pas circuler. Elle est très très, très étrange, elle tourne en même temps. Ah ben non, là, c'est ce fameux truc où il faut désintégrer, là, et je ne peux pas. Bon bah écoutez, tant pis. Attends, on va quand même descendre là pour se reposer. On va se faire nos petites 15 heures de sommeil quotidienne. Hein. Oui, c'est le hamster géant de l'espace nain. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors. Oui, les murs sont des illusions, évidemment. Regardez-moi ça. Alors, des chiens de l'enfer. Des magiciens. Wow, ça va, hein. Ils sont gentils parce qu'ils commencent toujours par balancer un projectile magique avant la boule de feu. C'est une sorte de tir de semence, quoi. C'est assez, assez cool. Bonsoir, Chidibix. Attends, je vais quand même regarder, parce que des fois, il y a ces saloperies qui vous en fait, qui vous font faire demi-tour. Et je le sens bien venir, là. Ah, c'est bon, on va monter. Elle est vraiment très courte, cette tour. Ben non. Ah, putain, elle m'a retéléporté. Je me suis reperdu. Voilà, c'est là. Donc, on monte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, regardez. Voilà, c'est à ça qu'elles servent, ces pièces à la con, là. C'est mettre des pièces pour ouvrir les portes. Elles ne marchent pas. Alors, c'est peut-être l'autre. Non plus. Ok. Ah. Ah, bah, nous voilà bien. Il n'y a aucune pièce qui rentre. Ok. Bon, j'ai dû rater un truc. C'était trop facile aussi. On se fait téléporter dans tous les sens, là. Il faut que j'aille vers le nord. Ah, non, j'ai raté un truc dans à l'étage en dessous. Le problème, c'est qu'à l'étage, c'est là qu'il doit y avoir la pièce que je cherche. Mais le problème, c'est que... Allez, ah, là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Là, il y a le mur de force qui est de l'autre côté, là. Ouais, je peux pas le détruire. Ok, il faudrait que je trouve un moyen. Le jeu commence comme ça sans explication. Ah non, là, on a repris une sauvegarde. Hein. Non, on a repris une sauvegarde de la dernière fois. Bon, il n'y a pas beaucoup plus d'explications, mais... Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à faire un truc. Alors, ça va être chiant. Est-ce que j'ai assez d'anneaux? Non, j'ai pas assez d'anneaux. Merde. Sinon, j'aurais pu aller de l'autre côté et tuer des magiciens pour gagner de l'expérience, jusqu'à pouvoir lancer un sort de désintégration. Mais je ne peux pas. Comment je vais pouvoir faire, du coup? C'est quoi, ça? C'est une amulette de vie? Ben, je sais pas grand-chose, hein. Comment je vais pouvoir faire? Comment est-ce qu'on peut péter ce truc-là? Dispel Magic, ça marche pas. Non, enfin, vraiment, j'ai désintégré, mais je peux pas, j'ai pas de... Je peux pas le lancer, quoi. Comment je vais pouvoir faire? Ah! Alors, donc, encore un géant qui s'est métamorphosé. Hein. Alors, est-ce qu'on le tue ou on va lui parler, hein? Des pièces, des pièces, des pièces. Et là, on le touche. Et donc, ah, ok, du coup, il nous donne une pièce. Bon. Eh ben, au moins, on a une pièce. Donc, ça va être bon. On n'aura peut-être pas besoin de tout refaire. Ah non, ok. Il a piqué les pièces de la prêtresse et en échange, il nous donne ce jeton qui permet d'ouvrir la porte. Ok. Eh. Oui, c'est vrai, d'accord, je pourrais faire ça. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai les jetons, je pourrais ouvrir les portes. Tu sais, on dirait quand t'es à la laverie et t'es la merde, j'ai pas de pièces, faut que j'aille faire de la monnaie. Alors tu vas chercher un tabac ouvert pour acheter un paquet de chewing-gum et tout. C'est vraiment cette expérience, mais en version médiévale fantastique. Donc là, c'est bon, on a un jeton, on peut ouvrir la porte. Alors là, on voit que ça devient badass parce que les magiciens n'ont plus de visage. On dirait que les affiches La République se vit à visage découvert. Sauf qu'ils devraient mettre des magiciens avec des... Ah mais eux, ils sont vachement plus balèzes, parce que... Ok, d'accord, super. Anneau de protection, très bien. Pour toi, par exemple. T'es à moins 4, et là, tu seras à moins 5.
Ah non, même pas. Ça marche pas. Ok, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, t'as, j'ai que des billets. C'est trop chiant. Hein. T'arrives devant la porte du château et t'as que des billets. C'est... Il faut aller faire de la monnaie auprès d'un géant mutant à l'étage en dessous. Elle est chaotique, cette tour. C'est pour ça que je l'aime bien. Il y a vraiment un côté dungeon crawler, n'importe quoi. On a mis tous les trucs en vrac, ça n'a aucun sens. Les précédentes, c'était quand même un peu construit. T'avais des puits, t'avais des trucs, t'avais des énigmes assez classiques de dungeon crawler, quoi. Truc façon dungeon master ou Legend of Grimrock, quoi. Là, ils ont mis vraiment tout et n'importe quoi. Ah, attends, j'ai pas encore essayé les cônes de froid. On sent bien le froid. Voilà. Encore des trucs de protection, mais non. Moins 4. Attends. Il y en a combien, des magiciens? Ouah! Ah, ça suffit, là. Mais ils résistent bien aux cônes de froid parce qu'ils ont des doudounes en fait. Alors que boule de feu, comme ils sont déjà ils ont déjà bien chaud dans leur truc, ah, ça marche mieux. Ils arquent tous des bracelets de protection, c'est ouf. Ils ne font rien en plus. Et là, c'est de l'autre côté, mais on ne peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas le jeton. Donc, on va monter à l'étage au-dessus. On arrive où là? C'est quoi ce bruit? Oh, ah, il y a des clébards. Évidemment, c'est des machins du plan élémentaire du feu, ou je sais pas quoi, ça, on peut pas les brûler. Ah bah voilà, super. Et bah comment je vais faire moi sans désintégration? Ça fait quoi ça déjà? Ah, ça a fait un bruit quand je vais faire un tour complet. Mais ça n'a pas enlevé le truc. Mais comment je vais faire? Ah! Ah voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire des sphères, c'est pour les mettre là-dedans. Donc j'en mets une là. Non. Attends, de pouvoir les enlever. Si je les mets comme ça fait quoi? Ah, ça marche. Ouais, c'est ça. Faut pointer dans la direction où on veut que ça s'enlève. Donc une sphère. Tac. Putain, tous les coups, il y en a quatre. On va les mettre par là. Alors, il y en a une là. J'ai bien fait d'en faire des stocks. Ah non, c'est bon, il en fallait que 3. Et ça détruit le pilier central. Ils ont une sorte de super plaid. Ah voilà, là ça va nous amener au dernier niveau. Alors on va d'abord faire un bon dodo, hein, se taper quelques petites semaines de repos. Oui, c'est vrai, QRB, c'est un vrai problème. Non, c'est surtout dans les blobbers plus récents, type Lands of Lore, il y a des transitions, c'est animé. Donc on voit où on va. Mais là, en effet, quand vous regardez quelqu'un qui joue, c'est compliqué de voir ce qui se passe comme mouvement. Par exemple, si je fais ça, vous savez, bon, là, si on voit parce qu'il y a une référence, mais si je fais ça, par exemple, vous ne savez pas dans quel sens j'ai tourné. Donc c'est, oui, c'est un. C'est compliqué à suivre, je vous l'accorde. Mais c'est un peu un stream d'élite, hein. Alors, on va monter. Voilà, et là c'est le dernier niveau du jeu, ça y est. Et il est 28, on aura le temps de discuter. Ah voilà. Des salamandres. Il y a une variété de monstres dans ce donjon, enfin dans cette tour. Ah bah allez, ça a marché, les sorts de froid, non? Ça doit être immunisé à la magie, comme tout le reste. Voilà. Alors, là, on va aller où? Je crois que c'est au sud, il y a quoi, là? Là, on peut juste voir... Juste regarder par la fenêtre. Au nord, il y a quoi? Ah, il y a encore des salamandres. Bon, on va faire quelques salamandres, ça va faire de mal. On dirait des gros ténias. C'est vrai qu'on dirait plus des ténias que des salamandres. C'est la bouche qui fait cet effet. Ils ont vraiment des bouches de ténias. Alors là,
Ah, mais il en spawn de partout en plus. Voilà. Et alors là. Bon, ça suffit. Alors là, ça, c'est un passage du jeu, je vais vous montrer, qui est complètement facultatif. On n'est pas obligé d'y aller du tout. Et ça doit être le combat le plus difficile du jeu. Donc c'est un grand mystère pour moi. Pourquoi ils ont fait ça? Lands of Lore, c'est aussi bien Evo Beholder. Le 2, oui. Le premier, il est beaucoup plus à l'ancienne. C'est vraiment un crawler pur, quoi, dans un donjon. J'aime bien le premier, il a beaucoup de qualité. Mais il est un peu plus à l'ancienne. Le 3, il est raté, je trouve. Mais le 2 est très très bien. Par contre, il est assez dur. Hein. Sans Solus, c'est pas évident de venir au bout. C'est vrai qu'on dirait un peu un hôtel. Et donc là, voilà, c'est un endroit où il y a plein d'eux. Regardez, il y a des flagelleurs manteaux. Et c'est super, il a déjà paralysé Paladin. Super, j'ai la moitié de l'équipe qui est paralysée. Ils font un joli bruit. Hein. Et donc c'est super dur, et on a une quantité invraisemblable. Il en sort de partout, on va se faire massacrer. Il y a déjà la moitié du groupe qui est paralysée. Ah, ça y est, voilà. Et toute l'équipe est paralysée d'un coup. J'ai jamais réussi à les battre. Et le pire, c'est que c'est pas du tout obligatoire d'aller là. Toute cette zone-là, où il y a les Illithids, là, elle est complètement facultative. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce combat incroyablement dur dans un coin. Voilà, on s'est entouré, donc là on est absolument foutu. Voilà, on est tous morts. C'est impossible de les battre. Vraiment, c'est impossible et c'est. Je ne comprends pas. J'aimerais bien un jour réussir. Alors, je crois qu'apparemment, derrière, il y a un truc à découvrir. Genre une sorte de petite orbe qui t'indique l'avenir de tes personnages, blablabla. Enfin, une petite cinématique à la con, quoi. Mais c'est tout. Et c'est encore une fois, c'est un truc super mystérieux pour moi de ce jeu. Pourquoi ils ont ajouté ce combat incroyablement dur, quasiment impossible? Parce qu'ils te font des. Ils paralysent toute l'équipe d'un coup avec des jets de sauvegarde impossibles à réussir. Si, on voit que c'est vrai qu'on peut les avoir comme ça. Voilà. On peut peut-être tenter de les avoir en faisant des pas de côté. Allez, allez, déparalysez-vous. Le problème, c'est qu'évidemment, ils sont complètement résistants à la magie, mais en plus, ils peuvent attaquer à n'importe quelle distance. Ils n'ont pas énormément de points de vie, mais... Ils sont mille fois plus durs que les Beholders, que n'importe quoi. Ah, ils ont paralysé le paladin. Tiens, il y en a partout. Bon, on va aller... Ils savent ouvrir les portes? Non, c'est bon, ils savent ouvrir les portes, apparemment. On quitte pas le stream, on les aura butés, exactement. Alors, on va sauvegarder dans un autre slot, maintenant que j'ai ouvert la porte de l'enfer, là. Ah putain, on est bien accueillis. Hein. Donc si, il sait ouvrir les portes. Ils sont où? On va faire une petite prière, quand même, histoire d'augmenter les jeux de sauvegarde. Oh, il y en a des tonnes. Ah, il y a des salamandres aussi, ça y est, c'est la fête. Non! Non, 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 non! Crève, crève! Oui! Alors attends, c'est bon, il en reste? Ils sont morts? Oh, il y en a encore bien à combien? Ah, ça vient en bande. Alors pousse-toi, toi. Ouais, en fait, le problème des salamandres, c'est qu'elles vont m'empêcher de faire mes pas de côté. Et pas moyen de passer à un niveau avec tout ça. Hein. C'est pas malheureux. C'est bon. Ah! Saloperie, en plus, elle a eu la prêtresse. Qui a le sort de déparalysation. Ah bah quand même, un niveau. Et donc ça paye un peu, quoi. Allez, on va refaire une petite sieste. Petite sieste de 35 heures, là. Voilà, attends, on va d'abord... Voilà, on va attendre qu'il soit
déparalysée, on va redormir, comme ça la prêtresse peut lancer les sorts aussi. Bonsoir Nobby. On va finir Eve Beholder. Voilà, c'est sûr, on le finira ce soir, on a presque fini le jeu. Mais je voulais vraiment finir ce combat, parce qu'il est quasiment impossible et complètement inutile. Et c'est vraiment une proof of concept, quoi. Je voulais voir si c'est possible de le finir. Il y a des trucs en termes de game design qui sont absurdes dans le jeu, quand même. Je crois qu'ils sont morts, les élites. Non, il en reste un. Non, pas toi. Oh, putain, il y en a partout. On a ouvert la porte. C'est comme les punaises de lit. Hein. Dès que t'en as partout, quoi. Alors bon, par contre, là, pour faire de l'XP, on va en faire, parce que ça vaut des thunes, ça vaut des quantités monstrueuses d'XP, ces machins. C'est bon, on peut y aller, on peut avancer. Non, en fait, si tu fais des pas de côté, ça va. Bah ouais, mais il en sort sans fin, en fait. On n'en sortira jamais, là. Merde, j'ai créé de la nourriture, il est déparalysé, mais hop. Les corps du labyrinthe font penser à la station Gambetta, tu trouves? Alors, c'est bon, c'est fini. Tiens, je peux qu'il y en aura encore deux, parce qu'il y en a toujours deux. Alors, attends. Oh putain, on a réussi. Elle est là, l'orbe qu'on devait regarder. Et vous allez voir, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de regarder cette orbe. Tout n'est qu'une vaste supercherie. Sauf que là, maintenant, on est attaqué par... C'est vrai qu'on dirait plus un cylindre de froid qu'un cône. Après, cylindre de froid, ça fait moins envie. Il va falloir faire une sieste là, parce qu'on est paralysé. Hein. Ah putain, il y en a un... Ah, il est rentré dans ma zone de sieste. C'est pas du jeu. Voilà. Gros joli. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui dorment pas beaucoup. On voit qu'ils n'ont pas d'enfants. Ah, ça pionce. Hein. C'est vrai qu'on dirait plus un cylindre de froid. Hein. Bon, on va foncer dans le tas, là. Alors, hop. Je ne sais toujours pas à quoi sert ce sort. Hein. Si quelqu'un sait à quoi sert Starfire, là, dites-le moi. Merde, j'ai écrasé l'autre. C'est pas grave. Sont maintenant les Ivitides sont sous contrôle. Bon, il y en a un ou deux qui traînent encore, mais oh, putain, il y en a partout en fait. Non, c'est une bêtise, j'ai une bêtise. Alors, on va regarder cette orbe. Alors, ça, c'est l'intro de Eve Beholder 1. Ça aussi, c'est dans le 1. Vision du passé. Ah. Ok. Donc, tout ça, c'est pour ça. Voilà, vous venez de vous taper un combat incroyablement dur pour. Voir trois images moches de dragons. Et vous faire encercler par des hordes d'élitides qui vont vous bouffer la gueule. Bah là, on est foutu, ouais. Là, il n'y a aucune chance de s'en tirer. C'est pas grave, on va foutre le camp. Donc voilà, ça servait à rien d'aller là. Donc on va laisser les gens en paix. On va... Non, mais maintenant, je les ai libérés. Donc il va y en avoir un peu partout, mais c'est pas grave. Il faudrait juste qu'on ait un petit truc de... Comment on... C'est où la sortie? C'est là. Donc là, il faut lancer dissipation de la magie. Évidemment, j'en ai pas une de prête. Si, j'en ai une là. Allez, une là. Deux amulettes. Ah. Ouais, ça, c'est un mec qui meurt. Voilà, blablabla. C'était le... Donc, c'était l'assistant. En gros, c'était le N-1 de Dran. Qui est pas content. Dran est pas content. Il y a pas... Voilà, blablabla. Parce qu'il est pas content parce que... On arrive jusqu'à lui. Hein. Il nous laisse cette petite espèce de truc qui nous permet de nous téléporter partout dans le donjon. Là, il n'y a rien. Allez. Et voilà. Ça va être le combat du boss. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux être préparé. Et sûr que vous êtes prêt pour la révélation incroyable. Ouais, Starfire, c'est ça, cette espèce de bâton là. Vous voyez pas, il y a ma tête devant. Mais non, il y a écrit Starfire. Et donc c'est un... Quand vous cliquez dessus, ça lance un sort. Qui manifestement est un sort défensif, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Allez, on va aller tuer Dran. C'est parti. Donc c'est lui. Blablabla. Regardez, c'est vraiment là. On sent que c'est le méchant.
Donc c'est lui qui a fait construire le premier temple de Darkmoon par les Drow avant. Enfin, on a toute l'histoire des ruines qui étaient des ruines Drow. Enfin, on a vu ça tout à l'heure, là. Enfin, tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des semaines. C'est vrai qu'il a un petit côté Star Trek, quoi. Alors, j'espère que vous êtes prêts à la grande, à la révélation finale. Attention. Évidemment. Donc en fait, son but, c'est pour ça qu'il y avait des squelettes pleins, les bouffes, je le fais rapide. Hein. Il a une sale tête. Hein. Bon, là il est beaucoup plus facile à battre que les élitides, parce qu'il faut encore faire des pas de côté. Hein. Mais comme il est seul, c'est facile d'esquiver les tirs. Ça doit être tellement frustrant, t'es le plus grand sorcier de la Terre, très méchant et tout. Et en fait, t'as juste 4 cons qui tournent autour et t'arrives pas à les toucher. Quoi. C'est un peu le problème des boss dans les blobbers, c'est que quand il y a beaucoup d'ennemis, t'arrives à faire des combats qui peuvent être quand même tactiquement un peu intéressants. Mais alors quand il n'y a qu'un ennemi, c'est impossible. Voilà. Regardez, vous devinerez jamais. En fait, Drandragor, c'était un dragon. Et ça, il fallait quand même le deviner. Franchement, depuis le docteur Betruger de Doom 3, il n'y a pas eu une pareille surprise. Ah oui, il est un peu chiant parce qu'il est plus rapide. Bon, ça reste quand même du pas de côté. Hein. Il a une bonne tête quand même. Hein. J'ai oublié qu'il avait une tête comme ça. Ah putain, il tape fort quand même, le con. Bon, on va quand même recharger, on va passer, parce qu'on va essayer de pas gagner avec juste un perso. Ça serait un peu ridicule. Oui, c'est vrai qu'on dirait c'est le Seracops. Oui, complètement. Bon, allez. Non, on va commencer par se prendre une boule de feu. La forme humaine n'est pas très compliquée parce qu'elle est lente. Après, c'est un vieux monsieur. On est en train de poignarder un vieux monsieur, c'est affreux. Ah, le bruit de la boule de feu est quand même inimitable. Toujours pas quoi ça se sort, mais je vais le lancer par un kit de conscience, voilà, dragon, blablabla. Attends, bouge pas, on va sauvegarder. Ça commence bien. On va sauvegarder là. On va sauvegarder dans le deuxième slot, parce qu'on est des gens prudents. En fait, c'est un jeu de rythme. Ah, il s'en va. On sent qu'ils ont comme essayé des trucs pour que ce soit un petit peu varié, tu vois, genre des... Il fait des petits mouvements aléatoires, des fois il s'en va pour que ce soit plus dur à prédire. Des fois il part vers la gauche, des fois il part vers la droite, c'est... Il y a un peu de RNG, quoi, pour... Il y a une classe d'armure de bourrin, hein. Ah! Voilà! Voilà un petit saut. C'est vrai que tous les mobs ont des regards pervers. Voilà, on l'a tué. Alors, la scène de fin, il y a du budget. Hein. Parce qu'il faut savoir que Age of Builder 1 avait été très critiqué parce que le jeu était ultra dur et il finissait cut. C'était genre merci d'avoir joué. Quoi. Alors, ils ont mis un peu de budget dans la scène de fin. Il avait été très très bien reçu, le jeu tué, là. Ah bah c'est un des meilleurs blobbers de tous les temps, hein, avec Lands of Lore, avec Dungeon Master. Hein. Ça aurait pu être un screamer, ouais, Titus. Merci Koub. T'arrives juste pour la fin. Et la super musique. On dirait une vidéo d'entreprise où il va t'apprendre comment optimiser le contact avec tes fournisseurs. Quoi. La musique, c'est tout à fait ça, quoi. Alors, ils vont détruire le temple. Hein. Cette tête. Entre le clin d'œil et la boucle d'oreille, le mec, c'est un coquin, quoi. Oui, il fait méga horny. C'était Baldur's Gate 3 avant l'heure.
Et là, ils ont pensé à un truc pas bête. Ils ont désintégré le temple, en fait. C'est... Si on avait fait ça dès le début... Hein... Oui, les Illithides et tous les gens qu'il y a dedans, parce que c'est une vraie ménagerie là-dedans, hein. C'est le zoo de Vincennes. Hein. Je trouve ça tellement bourrin, quoi. On va désintégrer le château, c'est un peu « got a new kid from orbit », tu vois. C'est, au moins, comme ça, c'est sûr, il n'y a plus rien, quoi. Oui, puis les géants, c'est vrai que les géants qui étaient gentils, Papy Poulet, ils ont été désintégrés aussi. Et tous les PNJ qu'on n'a pas pris dans le groupe et qu'on a laissé là, ils sont... Tout le monde. C'est abominable. C'est vrai qu'ils faisaient de l'ombre. Ah, pour les gens qui habitent en face, t'as d'un coup leur baraque, elle a vraiment gagné en valeur, parce qu'il n'y a plus de vis-à-vis. Ça, c'est... Cette tête. Voilà. Et voilà, ça finit comme ça. Le mec disparaît comme ça, pouf. Regardez-moi ça. My work is done, alors qu'il a rien foutu, hein. C'est vrai qu'il y avait un château. Le château, ça peut faire gagner de la valeur aussi, hein. Franchement, c'est amusant de voir que le jeu tout entier se déroule dans le silence le plus total. T'as juste des coups d'épée qui font... Et à la fin, t'as un truc, c'est son et lumière, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espèces endémiques qui ont été détruites, et on a... c'est vraiment... c'est terrible, hein. Et donc c'est Westwood qui l'a fait, donc. Avant Command & Conquer. Et avant Lands of Lore. Et Lady of Beholder 3 a été fait par SSI, qui avait la licence Donjons & Dragons à l'époque. Mais pas par Westwood, parce qu'ils étaient embrouillés, ils avaient pas, il y avait un désaccord créatif. Donc Westwood, ils se sont barrés de SSI, qui était leur éditeur. Et ils ont fait Lands of Lore dans leur coin. Qui donc n'utilise pas les règles de Donjons & Dragons pour cette raison. Ils ont fait Dune aussi, Westwood. Le nuage est très beau, et il ne bouge pas. Le style musical, oui, c'est du metal ad lib, on appelle ça. C'était le 2, ouais. Ah, c'était une belle époque, hein. Vous savez, ils sont bons pour les cinématiques, hein, parce que la cinématique d'intro de Lands of Lore, elle est magnifique, hein. Le prochain jeu, ce sera Eve Builder 3. Non, il est pas terrible, le 3. J'en ai déjà streamé un petit bout, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'on va faire. Là, il y a plein de trucs qui sont récents, qui sont sortis bien en démo. Il tenait sur 3... 7 disquettes. Il me semblait que c'était moins que ça, tu vois, parce que je l'avais à l'époque. Il me semblait que c'était 3 ou 4. Pour le jeu prochain, je pense qu'on va plutôt faire des... Il y a plein de petites démos Steam, là, qu'il faut qu'on teste. Des trucs vraiment cool. Ah, c'est vrai qu'il y a un casting des personnages à la fin. Mais ce qui est vraiment, qui sont pas joués par des acteurs ni rien, ils ont juste fait la liste des personnages. C'est très bizarre, hein. Lands of Lore, si vous voulez, mais j'en avais déjà streamé des bouts. Je l'avais pas fait en entier. Oui, c'est la Foreshadowing de Noble. Oui, évidemment, si jamais ça vous rappelle des épisodes de votre vie, c'est une pure coïncidence. Les vieux Indiana Jones, ah, Fate of Atlantis, on pourrait le faire, ouais. Pareil, j'en avais fait un bout il y a longtemps. La musique, franchement, pour l'époque, était pas mal, hein. Les cinématiques étaient plutôt bien. Mais c'est dommage, mais... Voilà, ça, c'est les héros du royaume. On va regarder que ceux de droite, que ceux de gauche, hein. Ceux de droite, on va les cacher. On sait bien lesquels seront devant sur la photo, quoi. Fate of Atlantis, c'est incroyable, hein. C'est un des meilleurs, point and click de tous les temps, sinon le meilleur. Voilà, donc c'est fini comme ça. Mais Indy 4, oui, il était bien. Le problème, c'est que le 4, je l'avais déjà streamé un bout, je me rappelle, mais on pourrait le faire en entier, si vous voulez. Il est tellement bien, ce jeu, c'est vraiment un chef-d'œuvre en termes d'écriture à tous les niveaux. Mais ouais, Myst, c'est une bonne idée aussi, ouais. Fate of Atlantis, mais ils avaient réfléchi à en faire un film à l'époque, hein, avant que Indiana Jones 4 existe, malheureusement.
Et il avait, une des raisons pour lesquelles il avait été retoqué, c'était pour des raisons de budget. C'est qu'il y a tellement de lieux différents, trucs comme ça, que, bon, après, ils auraient pu tronquer un peu. Hein. Mais donc, du coup, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais j'avais entendu que c'était pour des raisons de budget qu'apparemment, Lucasfilm avait dit, non, on ne peut pas adapter ça en film. C'est trop de... C'est trop de... Trop de taf. Ouais, Day of the Tentacle, il est bien. On pourrait le faire, hein, Day of the Tentacle. Je veux dire que je n'ai jamais fait. Il paraît qu'il est très, très bien, ouais. Loom aussi, ouais. Loom, c'est bien. Pas forcément rétro, non. Mais là, il y a des trucs qu'il faut que je fasse en jeu récent aussi. Il y a quand même des trucs super bien. Notamment, qu'est-ce que j'avais noté? Je regarde sur mon téléphone comme un gros malpoli. J'avais noté plein de trucs que j'ai envie de faire avec vous. Parce que vous êtes mes amis, hein, comme dirait Agbou. Qu'est-ce que j'avais noté? Jeu à faire avec mes amis.txt. Oui, j'ai TXT sur mon téléphone, hein, il est rétro aussi. Merde, où est-ce que j'ai foutu ça? J'avais noté ça où? Voilà, c'est là. J'aime bien, je vais accrocher ça en fond d'écran. On aura ces quatre têtes là. En jeu, j'avais... ah oui, Island of the Caliph. C'est encore un blobber en case par case, hein, mais récent et qui est super beau. Et il faudrait qu'on le fasse celui-là. Ce serait bien. Et Void Train, qui est en early access, j'ai envie de le faire aussi parce que ça a l'air vraiment très très chouette. Voilà. Donc ceux-là, c'est des jeux récents, mais malgré tout, qui ont l'air bons. Et donc ceux-là, il faudrait vraiment qu'on les fasse. Donc ça fait quand même... Zach McCracken, j'ai jamais fait. Je sais pas si c'est bien. Wizardry, j'ai jamais trop accroché. J'ai moins accroché. Ah oui, c'est vrai, Loom, il était, ouais, ça avait été un peu... C'était le truc musical, là. Un truc qui serait rigolo à faire, parce qu'il n'est pas très long, c'est le Indiana Jones 3, vous savez, celui qui est inspiré de, bah, du film, du troisième film. Il est pas mal. Oui, je sais que vous êtes les... Vous êtes les psy d'Agbou. Ouais. Bon, ben voilà, du coup, on a 9 minutes à attendre avant Scroll News, qu'on va regarder cette image. Louis Castor, t'avais dit qu'il fallait absolument que tu joues à Myst. Myst, c'est vraiment très très bien. Ouais. Ouais. Indy 3, il est long. De mémoire, il n'était pas super long. Et, mais il est... bah, Myst, c'est très particulier. C'est-à-dire que ça, tu ne peux pas le comparer à la plupart des point and click. C'est vraiment... on aime ou on n'aime pas, quoi. Non, faire tous les Westwood à la suite, vraiment, ce ne serait pas gentil. Parce que Westwood, ça a quand même été un super studio. Et il ne faut pas rappeler... voilà, c'est comme se souvenir de quelqu'un quand il a 90 ans et qu'il se fait dessus sur une chaise, quoi. C'est pas gentil, il faut se souvenir de comme il ou elle était dans sa jeunesse, tu vois. Et ben là, c'est pareil pour Westwood. Il faut se souvenir de Dune 2, de Eye of the Beholder, de Lands of Lore. Il faut pas se souvenir de la suite. Phantasmagoria, je l'ai jamais fait, mais Phantasmagoria, j'ai peur qu'on soit striké sur Twitch. Parce qu'il y a des trucs un peu cul, non, dedans. Enfin bon, c'est du téléfilm de M6, hein, mais de mémoire, il y avait un peu ça, non? Je l'ai jamais fait, hein, mais je connais la réputation du jeu. Wolf Rotter, là, pour le coup, lui, on peut le finir en une soirée. Ouais. Il est vraiment très très court. Pas si cul, ok. Je l'ai pas fait, donc je sais pas. Mais de mémoire, c'est pas terrible quand la plupart des jeux en FMV. Si, il y a un jeu dans les FMV que j'aimerais bien faire, c'est The Seventh Guest, qui était un jeu d'horreur aussi. Et Gore et Viol, Phantasmagoria, ouais, peut-être pas le faire alors. Voilà, exactement comme pour Paulus Switzer, faut se souvenir de lui à l'apogée de sa carrière. Exactement. C'est pas gentil. Sam & Max, il était bien Sam & Max, mais il était dur. Super court Seven Guest. Ouais, bah, tous les jeux de l'époque, comme ça, FNV et FMV étaient quand même très courts. Hein. Parce que simplement, il fallait que ça loge sur un CD, quoi. Et même avec des résolutions dégueulasses comme il y avait à l'époque dans les vidéos, on n'avait pas des très bons algos de compression, parce que les processeurs n'étaient pas très rapides. Et du coup, on se retrouvait avec des jeux où il n'y avait pas tant de vidéos que ça, en fait. Ou alors, il fallait changer 1000 fois, comme comment il s'appelait, le Tex Murphy Under a Killing Moon, qui est super bien, hein, mais c'est une purge, ce jeu, parce que dès que tu fais pas le jeu exactement dans l'ordre prévu, il faut changer de CD sans arrêt. Seven Guests a mal vieilli, mais je crois qu'ils ont tous mal vieilli, ces trucs-là. Hein. À part, peut-être, justement, Under a Killing Moon, qui était... quoique non, la partie acteur était bien... Enfin, la partie jouer, la partie exploration, tu devais éviter des lasers et tout, c'était une purge. Night Trap, ouais, Night Trap, c'est pareil, c'est trop gore pour Twitch. Enfin, c'est trop trash pour Twitch. Alors, en tout cas, oui, on a l'embarras du choix. Mais d'abord, on va sans doute faire Void Train. Et puis Island of the Caliph.
le jeu Versailles. Weird Tales, je ne l'ai pas fait Weird Tales, mais c'est un truc vieux ou récent? La partie acteur avec les petits regards caméra, ben, on ne va pas avoir des bons acteurs dans un jeu vidéo non plus. C'est vieux, ok. Mais c'est quoi du coup comme jeu? Attendez, bougez pas, on va regarder ça ensemble. Comme ça me permet de préparer les setups pour Scroll News en plus. Hop, hop. Alors, on va couper ce truc. Voilà. Et on va mettre Firefox. Alors, Weird Tales Game. Ok, alors attends, il y a un jeu Weird Tales, donc. Mais c'est sous licence du... Attends, donc il y a un jeu de plateau, vidéo game. C'est sous licence du magazine ? Époque Amiga. Wow. Video Games. C'est ça, là ? Attends. Ah, ça, c'est Weird Tales, le magazine, mais... C'est vraiment Weird Tales Tamen Shooter Game ? C'était ça ? Non, ça peut pas être ça. Versailles, ouais, ah si, Weird Tales The Temple, H.P. Lovecraft. C'était ça? Non, c'est pas ça. Ouais, ok, c'est très mystérieux. C'est un jeu où tu es dans des rêves. Ah, mais oui, mais c'est pas Weird Tales. C'est Weird Worlds, non? Weird Dreams. Oui, je vois de quel jeu tu parles, en effet. Et c'est pas Weird Tales. Weird Tales, c'est le truc où écrivait Lovecraft. Non, oui, c'est Weird Dreams. Game, attends, c'est Weird Dreams ou Weird... C'est ça. C'est ça. C'est ce truc-là. Qui est un jeu super bizarre, en effet. C'est ce truc-là, là, où tu démarres dans une machine à papa, à papa. Oui, je m'en souviens. J'ai jamais réussi à passer la barbe à papa. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce jeu à la con? J'ai arrêté. Mais oui, et ça a l'air... C'est Weird Dreams, oui. Et c'est un jeu, en effet, qui se déroule que dans des rêves bizarres. C'est un peu comme l'excellentissime Sanitarium, mais en version un peu bizarre, apparemment. Ouais. Ah, ça a l'air foufou, oui. Je crois que c'est le... Mais ça a l'air injouable, surtout, en effet, oui. Tels audio. C'est moi, j'y avais essayé, parce que forcément, vu la description, ça m'avait attiré. Et j'avais lâché l'affaire, mais super vite, quoi. Car on peut regarder, ça n'a aucun sens. Il y a une abeille qui vient nous manger, là, on joue au ballon avec une petite fille. Et il donne un rythme cardiaque en haut. Ça, on dirait de l'art brut, quoi. Et surtout, ah, il nous attaque avec un couteau, quoi. On dirait vraiment... Sanitarium en raté, quoi. Sanitarium, ils ont vraiment réussi à faire des tableaux différents comme ça, mais avec un vrai sens, c'est très bien écrit, quoi. Là, oui, ça, c'est LSD The Game, quoi. Oui, c'est vrai que Sanitarium, on pourrait faire une série de jeux Metallica, ouais. Enfin, Eye of the Beholder, et... Ouais. Eh, mais on combat des sortes d'asticots avec un poisson? D'accord. Eh, ils se sont fait plaisir à faire ça, quand même. Quand tu penses que c'est quand même un truc qui a été vendu en boîte, quoi. Ils se sont dit, on va trouver, il y aura suffisamment de marché pour vendre ce truc, enfin pour le mettre en production et tout ça, c'est quand même assez incroyable. Ok. Ouais, donc je sais pas si on va faire un long play de ce truc. Hein. Sanitarium, il est bien. Ben, Sanitarium, je vais faire un long play. Donc là, il faut sauter par-dessus des chauves-souris, ok. Et là, ça finit comment? Ah, on retourne à la barbe à papa. Alors ça, c'est les différentes morts. Ah oui, d'accord, ils ont fait des morts un peu gore à la Waxworks, mais en raté, quoi. Waxworks, je ferais bien un long play, mais il est trop dur. Ah, et à la fin, donc, t'as un œil sur un cerveau qui attrape des petites... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et ça finit comme ça. Et là, on apprend que Drandragore était un dragon. Ah, mais en fait, non, ça, il était... Ouais, c'est comme dans Sanitarium, en fait. On est... Merde, je viens de vous spoiler la fin de Sanitarium. Ah, d'accord, donc on a survécu. Enfin, non, c'est pas exactement ça, Sanitarium. C'est pas un mec dans... Oh,
Oh, en fait, il y a un spoiler, on se fait tuer par le chirurgien. D'accord. Non, on n'est pas vraiment dans le coma dans Sanitarium, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, on n'est pas dans... Oui, je l'avais fait, Waxworks, mais je ne l'avais pas fait en entier. J'avais fait juste une vidéo de 2 heures avec Alt 236, où on commentait le jeu, on avait parlé de ce genre de trucs, de ce genre de jeu à l'époque. Bon, il est 20h, ça va être l'heure de Scroll News, on va arrêter de regarder La Barbe à Papa.